Le grand jour est arrivé. Nous sommes là, Hervé Matou, Pierre Ménès, pour vous servir. Pour vous servir sur un plateau, cette finale très prometteuse dont le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. On va vivre, on espère, un grand match, Pierre. Oui, on retrouve aujourd'hui ces deux équipes en finale après un sacré parcours du combattant. Faut pas tout gâcher maintenant. C'est le grand jour, hein, ce jour de finale, quelle que soit la compétition, une finale, ça reste un moment particulier dans la carrière d'un joueur. Oui, avec quelques nuances près quand même, je pense que si tu joues au PSG, une finale perdue en Coupe de la Ligue, tu peux la digérer assez vite. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut être des moments plus exceptionnels encore pour des joueurs moins habitués. L'adversaire, on découvre ensemble la composition de l'équipe. Tactiquement, l'entraîneur a choué. Anthony Martial qui frappe. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Tekir. Il avance encore. Un danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Mendy. Les bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Kanté, et il a perdu le ballon. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ballon en profondeur. Anthony Martial. Anthony Martial. Oh, ça peut faire but. Oh, superbe intervention du gardien, petit exploit là. C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Pogba. Steven Dargues. Danny Van de Beek. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Et Pogba qui ne trouvera personne si ce n'est un adversaire. Baptiste de Ligt avec De Jong, Danny Van de Beek, Steven Bergwijn. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Et il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Et le ballon maintenant dans les pieds de l'équipe de France. La voie est libre, la voie est libre pour l'attaque française. Fekir. Oh, le but! Oh, depuis qu'on attendait! L'ouverture du score. La frappe, la très lourde frappe que l'on revoit au ralenti. Regardez son équilibre au moment de la frappe, il rentre bien à ce ballon et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance. On revoit celui au ralenti, quelle frappe. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. L'équipe de France qui mène au score. De Jong. Justin Kluivert. Allez, ça joue vers l'avant. Et Samuel Umtiti qui dégage. Anthony Martial. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Surtout parce que c'est tellement spontané. Il va pouvoir centrer. Pour son partenaire au deuxième poteau. Chercher une ouverture, bien sûr. Paul Pogba. Et Paul Pogba qui continue, bien sûr.
Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Dans le monde de Beek. Justin Kluivert. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Justin Kluivert. Et il perd finalement son face-à-face. C'est bien joué de la part du gardien. Pogba. Samuel Umtiti. Paul Pogba. Et il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Et il prend pas le couloir finalement. Ouais, c'est tourné en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Silesen. Ouais, le danger qui s'écarte avec ce long dégagement. N'Golo Kanté. Paul Pogba. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Avec De Jong. Justin Kluivert. Danny Van de Beek. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. On est un petit peu déçu quand même par cette première période. Ouais, bah ne désespérons pas Hervé, il reste encore 45 minutes. C'est sûr qu'on aurait aimé voir plus de buts. Allez, l'arbitre a sifflé, le jeu reprend à l'instant. On va voir si les deux équipes ont bien récupéré de leurs efforts à la mi-temps. Benjamin Pavard. La voie est libre, la voie est libre pour l'attaque française. La solution dans l'axe peut-être. Ah, c'est marqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé, de peu, mais c'est loupé. Anthony Martial. Antoine Griezmann. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. N'Golo Kanté. Kylian Mbappé. Il choisit de repiquer au centre. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ils ont trop tardé. L'adversaire a eu le temps de se replacer. Ouais, c'est joué par-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Donny Van de Beek. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Ouais, c'est pas cadré. Cette tête ne donnera rien. On ne peut pas dire que ce soit de la maladresse. Hein. Non, c'est surtout bien défendu. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Kanté. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Les Pays-Bas avec le ballon maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le ballon en profondeur. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors jeu de 15 mètres non plus. Hein. Pogba. Ballon perdu par Paul Pogba. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Allez, il faut centrer. Et là, il contre ce centre. Nabil Fekir. Anthony Martial. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Ah oui, la bonne passe. Mauvaise relance. Mbappé. Anthony Martial. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Et le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais.
déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ça paraît toujours facile de marquer d'aussi près, mais en fait c'est pas tant que ça. Hein. C'est justement quand ça paraît facile que tu sais que le mec est un bon buteur avec du flair. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ouais, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Ouais, changement dans l'équipe néerlandaise. Avec l'entrée en jeu de Memphis Depay, voilà, capable du meilleur parfois et du pire trop souvent. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Kanté. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. C'est dommage, c'est pas bien joué. Danny Van de Beek. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Et le centre bien négocié par le gardien. Huit minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. À l'adversaire. Oh, le centre peut-être. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Oh, il y va tout seul. N'Golo Kanté. Pogba. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Attention, la contre-attaque. Et le contre n'ira pas plus loin, l'adversaire récupère. Et on va jouer 2 minutes de plus. Clément Langlais. Benjamin Pavard. Et voilà, c'est terminé. Oui, on voit le quart de virage des vainqueurs qui exultent. Hein. Bah, c'est un petit peu normal, c'est une belle victoire. Hein. Une petite coupette de plus dans le placard. C'est toujours ça à prendre. Voilà, et faites ça, on va dire, en famille, entre eux, les joueurs, ils saluent leurs supporters. Moi, c'est une joie raisonnable, Hervé. Hein. C'est pas l'extase non plus. Hein. On les voit saluer le public, se congratuler. Ils sont heureux, ils ont raison, ils sont allés au bout dans cette compétition. Dans quelques minutes, les joueurs vont pouvoir brandir la coupe. Ils se sont installés dans le rond central. Il y a quelqu'un qui fait un barbecue d'ailleurs, on voit les flammes. Ah ouais, je vais chercher des saucisses. Bon, ça fait partie de la chorégraphie. Ouais, c'est vrai. Il frétille à l'idée de brandir ce trophée. Ce sera dans quelques instants. Attention. Ça y est. Et la victoire magnifique. Sous les applaudissements, les cris de joie d'un public qui aura vibré. Ah oui, et puis des joueurs qui ont l'air vraiment tous fous de joie. On met une belle fête ce soir. Hein. On va sortir. T'as des invités ? Non, on va rentrer en force comme d'hab. Alors, c'est le moment du partage maintenant. Le partage avec le public. Regardez, il s'est emparé du trophée. Les autres sont derrière. Et ils vont le brandir, le montrer à leurs supporters. Voilà, ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce triomphe. Ouais, c'est des images qui resteront, bien sûr. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le...